m'appelle Carlos Lopez, je suis né à Barcelone et j'ai fait une école des beaux-arts et ensuite j'ai fait l'ENSI. Donc je suis plasticien par définition et designer. J'ai fait l'ENSI il y a un petit moment déjà, je suis sorti en 95 et je reviens aujourd'hui avec grand plaisir pour refaire un peu un point sur les technologies numériques qui aujourd'hui nous offrent des possibilités qu'on avait à l'époque, mais qui n'étaient pas aussi, aussi proches de l'usage qu'aujourd'hui. Donc c'est pour étudier cette relation fine entre l'usage, ce qui est possible, les techniques, voilà. Maintenant, c'est aussi un prétexte, enfin on a utilisé le prétexte d'un sujet, d'un petit sujet pour développer ces applications. Le sujet étant le puzzle. Une petite idée, c'est-à-dire des choses simples, je vais partir sur une géométrie très simple. C'est un sujet que je souhaite traiter de manière légère, légère et ludique. Donc ça va être des choses simples, un cube, voilà, quelque chose de très 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 basique, avec peut-être des fonctions inattendues, des réactions de la matière inattendues. Je n'en dis pas plus. On a très peu de temps en fait. Ça va être, on va avoir peut-être 3 demi-journées. Je retrouve, sans nostalgie du tout d'ailleurs, hein, mais je retrouve quelque chose d'une école qui sait expérimenter, qui sait se poser des questions, qui sait réfléchir et surtout qui sait mettre les mains à la pâte. Merci beaucoup. Super, merci. Merci.